Oui, c'est un teaser qui rend vraiment compte de manière extrêmement partielle, pour ne pas dire plus ou moins, de ce spectacle, de sa puissance, de son intelligence et évidemment aussi du texte. Voilà. Alors, quelques mots de présentation. D'abord, oui, je veux commencer en rendant hommage au gros travail de préparation qui avait été effectué par Wolfgang Hacholt et qu'il a bien voulu nous transmettre. Donc, je me suis vraiment largement inspiré de ce travail pour la conduite de cet entretien, que je suis néanmoins heureux de conduire avec Anne-Laure Liégeois, que je vais maintenant vous présenter. Donc, Anne-Laure, voici un peu plus de 30 ans que tu mettais en scène. Après des études de lettres classiques et une spécialisation, semble-t-il, en étruscologie. Oui, mais c'est le premier peuple de théâtre. C'est les Étrusques, la première fois qu'on a eu une représentation d'un comédien sur une fresque, c'est une représentation à Tarquinia voilà, Tarquinia qui est. Bah, tu savais déjà que tu allais faire du théâtre pour t'intéresser à l'étruscologie? Ah oui, je sais depuis toujours. D'accord. Je sais depuis toujours parce que quand j'étais petite, j'avais des costumes que je mettais systématiquement tous les jours pour aller n'importe où, au marché. Il fallait me les enlever juste au moment d'arriver à l'école. Enfin, voilà, ça, je savais déjà qu'il y avait. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmenée énormément au théâtre et pour voir des spectacles pas du tout pour mon âge, comme c'est pas forcément des spectacles de jeune public. Et du coup, j'ai toujours. En fait, je pensais que j'écrirais sur le théâtre. J'osais pas. Je me disais, je vais être critique. Voilà, je rédigeais tout le temps. J'allais voir des pièces, je rédigeais tout le temps des critiques. Et puis, j'ai rencontré le théâtre du Campagnol, qui était à Châtenay-Malabry, la banlieue où j'habitais, et avec Jean-Claude Pinchenat et des gens qui venaient eux-mêmes du Théâtre du Soleil, donc avec une idée du partage vraiment magnifique, quoi, une grande générosité. Et du coup, ils m'ont laissé leur outil, et j'ai pu, à 20 ans, avoir les clés d'un théâtre et expérimenter tout un tas de textes et de non-textes. Alors, on est déjà dans le vif du sujet. J'en suis à la deuxième ligne de la présentation, donc j'en étais resté à l'étruscologie, mais je comprends maintenant la cohérence effectivement du parcours. Donc ta première mise en scène au Théâtre du Campagnol en 1992, voilà. Et tu viens de le dire à l'instant, ça transparaît dans ce que tu viens de dire à l'instant, cette première mise en scène au Campagnol est déjà sous le signe du fer commun. C'était la pièce Le Fils, hein, de Christian Vullier. Oh, mais alors, c'était pas peut-être pas la première, celle-là. Disons que la première vraie, c'est le festin de Tieste de Sénèque à la Sorbonne. Quel est son nom à ta troupe? Voilà, ouais. Entre autres, parce que le festin, c'est pas. Enfin, évidemment, c'est un endroit de rencontre, de plaisir, quand même. Enfin, même si on mange, c'est mort. Bon, c'est quand même. Il y a le festin de Pierre, il y a le festin de Babette, voilà, donc c'était bien le festin, ouais, c'était ça. C'était lié vraiment à Sénèque et à la fin de mes études aussi de traduction. Voilà, non, Le Fils, en fait, ça n'a jamais été. J'ai jamais fait partie du théâtre du Campagnol, j'ai reçu leur aide. C'était dans une caserne désaffectée. C'était à Ris-Orangis, un lieu qui était incroyable, qui était un lieu où il y avait beaucoup de peintres. Il y avait aussi, c'est là-bas que j'ai pu rencontrer la première fois la Mano Negra. Enfin, c'était un endroit où on était encore tous à commencer des choses différentes. Et c'était effectivement avec 50 comédiens dans une caserne désaffectée, des comédiens un petit peu partout, et avec la rencontre avec des peintres et aussi des circassiens. Alors, c'est une forme théâtrale atypique et en fait tu vas continuer à t'intéresser à des formes théâtrales comme le spectacle déambulatoire par exemple. Enfin bon, tu as expérimenté, c'est le mot que tu as employé tout à l'heure je crois, beaucoup de formes théâtrales. Ça ne t'a pas empêché de devenir directrice d'un CDN, d'un Centre Dramatique National à Montluçon. Tu as été directrice de 2003 à 2011.
mais tu as aussi fait des mises en scène à la Comédie Française. Tu as traduit beaucoup, tu as parlé d'études de traduction tout à l'heure, mais tu traduis de différentes langues, que ce soit le latin et le grec, l'espagnol, l'allemand ou l'anglais. Parmi tes très nombreux spectacles, on peut citer La veillée de l'humanité à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot avec 200 participants, parmi lesquels Isabelle Adjani, Wajdi Mouawad, etc. Le feuilleton théâtral On aura tout au Festival d'Avignon de 2017 avec Christiane Taubira. Et tu t'es beaucoup attaché aux auteurs contemporains, donc tu avais presque commencé avec Christian Bullier, mais tu as monté alors, notamment un spectacle intitulé Entreprise, sous-titré Déclinaison en trois pièces d'entreprise en 2020. Alors il y avait, je crois que c'est 2020 ou c'était avant, non c'était... Ça s'est arrêté avec l'épidémie, donc... D'accord, oui. En fait, c'était trois pièces. À l'intérieur, peut-être que tu veux parler de la commande à Jacques Jouet. Bah, c'est ça, il y avait Jacques Jouet, oui. Il y avait Rémi Devos, oui. Et Georges Perec. Voilà, d'accord. Et alors, Georges Perec, avec l'augmentation, qui est une pièce sur laquelle tu es revenu à différentes reprises. Tu as aussi monté, c'est une expérience intéressante, on en parlera, Per Gunt, au Théâtre du Peuple, à Bussan, en 2021. Et alors j'ai vu plusieurs spectacles de toi, notamment un spectacle qui date, ça devait être encore au XXe siècle, Embouteillage, tu pourras en parler si tu le souhaites, encore un spectacle atypique qui se passait dans des voitures, qui m'a laissé un souvenir assez fort, ça évoquait un peu le week-end de Godard, et récemment un de tes derniers spectacles c'est Des châteaux qui brûlent, donc d'après le roman d'Arnaud Bertinard, on vient de voir ce bref teaser, et que j'ai eu le plaisir de voir au Théâtre de la Tempête il y a quelques mois. Voilà, pour donner quelques jalons, il ne s'agit pas d'être complet, ça prendrait tout le temps de la rencontre. On va pouvoir démarrer l'entretien qui a déjà démarré, j'en suis très heureux. Donc tu as dit un peu comment tu avais démarré au Théâtre du Campagnol, peut-être que ça mérite... ou avec le Théâtre du Campagnol, enfin sous l'égide du Théâtre du Campagnol, il faut peut-être rappeler un peu ce que c'était, à la fois le Campagnol, ce démarrage. Et la question que j'aimerais te poser, à quel moment intervient la troupe, ta troupe? Est-ce qu'elle est là dès le commencement? Enfin, voilà, comment ça commence cette histoire de troupe? Alors en fait, je ne sais pas si on peut parler vraiment de troupe, j'ai envie de dire malheureusement, parce que il n'y a pas vraiment de troupe en France, à part ici, à la Comédie Française, on n'a pas... parce qu'avoir une troupe, pour moi, ça voudrait dire pouvoir travailler en permanence avec des comédiens qui seraient sur des contrats à durée indéterminée, enfin qui... C'est magnifique, quoi, l'idée de se dire qu'on peut travailler, être payé, être là tous ensemble, mais il n'y a pas les moyens de ça. Donc ça pourrait s'appeler une troupe éphémère et des fidélités fortes. Avec, voilà, c'est-à-dire que depuis plus de 30 ans, il y a un comédien qui est Olivier Dutillois qui est là depuis le début. Il y en a quelques-uns que je retrouve parfois. Il y a aussi... Anne Giroire qui parcourt quand même pas mal de spectacles, mais on est des troupes, on est une troupe dès qu'on travaille, dès le moment de la création. Mais c'est vrai que j'adorerais avoir une troupe, j'adorerais avoir des comédiens qui seraient là tout le temps, qui arriveraient à vivre comme ça. Mais bon. Après, c'est une troupe mentale aussi. Je sais qu'ils sont là. Je partage avec eux. Olivier Dutillois, c'est un partage quotidien des désirs, des possibles. Et puis, certains... Laure Wolf, dont on a parlé tout à l'heure, Joseph. Enfin, il y a des grandes fidélités. Après, il y a effectivement un esprit de troupe parce que
parce que je pense que je viens effectivement de là, avec quand j'étais petite, les modèles, le seul modèle que je pouvais avoir féminin, c'était le Théâtre du Soleil, c'était Ariane Mnouchkine. C'est une, voilà, cette fascination d'aller dans un lieu, d'avoir des comédiens qui sont présents à l'entracte, qui sont présents après, qui sont présents tout le temps, n'importe quand on arrive dans la cartoucherie, ils sont là. Enfin, ça, c'était pour moi l'exemple absolu. Et c'est vrai qu'en étant ensuite au Campagnol avec Jean-Claude Pinchelin, il menait aussi la piscine à Châtenay-Malabry, qu'il a transformé en centre dramatique. Il menait la piscine avec cette générosité, avec cette les comédiens, je les voyais tout le temps. Moi, je faisais des ateliers dans différentes villes de la banlieue sud avec par exemple Marie-Françoise Odolan, et je les voyais au marché, je les voyais de spectacle en spectacle. Il y avait vraiment avec le Campagnol aussi une notion de troupe, mais je pense que ça n'était pas non plus une troupe permanente, quoi. Alors c'est vrai que c'est la folie du théâtre, la troupe c'est le désir, mais voilà, les comédiens sont toujours en état précaire, quoi, parce que je vais pas me permettre de parler de troupe, évidemment j'adore, mais voilà. Ça s'appelle des fidélités ou des troupes éphémères, des moments de vie. Et là, le moment avec des châteaux, et c'est vrai que c'est aussi moi, c'est un but permanent, c'est-à-dire que sur chaque spectacle, je réunis une troupe parce qu'il faut qu'on soit ensemble, et ensemble, il faut qu'on défende pour des spectateurs qui seront avec nous une même idée, un même désir. Donc mon métier, il est aussi dans le fait de réussir à mettre des gens ensemble et qu'ils soient bien pour défendre un texte. Et sur le travail sur le livre de le travail avec Arnaud Bertina, c'est un travail qui est parti très fortement de là, parce qu'on a été déjà tous les deux ensemble avec beaucoup de générosité de la part d'Arnaud, parce que pour un auteur, tous les auteurs n'ont pas cette il m'a laissé faire une œuvre de son œuvre avec une bienveillance incroyable, une grande générosité, en étant tout le temps là, mais en me laissant totalement libre. Et ensuite, de cette origine de chaleur humaine avec l'auteur, est parti aussi tout ce que je devais composer avec des comédiens. C'est des comédiens qui venaient d'univers différents. Il y avait Olivier Dutillois et Anne Giroir, avec lesquels j'avais déjà travaillé, Laure Wolf, qui avait été aussi à Bussan, et j'avais travaillé aussi avec Agnès Sourdillon, mais ils n'avaient pas forcément travaillé ensemble et venaient pas d'univers de théâtre, de famille identique. Et un de mes rôles, ça a été effectivement d'en faire une troupe, quoi, de se dire on va. Je pense que c'est au moins 50% de mon métier que de mettre des gens ensemble qui ont envie d'aller dans une même direction. Et là, on était. Là, ce qui était formidable avec le roman d'Arnaud, c'est que ce sont des gens qui sont ensemble, enfermés ensemble, et qui vont tenter de défendre une idée humaine forte ensemble. Mais bon, le prochain spectacle, c'est Phèdre de Racine, et c'est dans un an et demi, et ça fait déjà 6 mois que je travaille au ensemble de cette équipe. Mais c'est des toutes petites choses, c'est être présent tout le temps tout le temps avec eux, les mettre ensemble autour d'une table, manger ensemble, aller se voir les uns les autres dans les spectacles. Enfin, c'est vrai que c'est plus de 50% de la réussite d'un spectacle, réussir à faire force, mais Mais c'est très intéressant. Parce que
Bon, outre la difficulté matérielle au niveau des conditions de production qu'il y a en effet à avoir une troupe, et en effet la possibilité d'avoir une troupe permanente en France, ce qui est intéressant, tu as parlé de troupe mentale, j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu donnes la troupe comme une sorte d'horizon de ton travail, comme une sorte d'idéal de ton travail, que tu réalises à géométrie variable selon les spectacles, mais il y a toujours cette idée, et ça tu viens de très bien le formuler, d'avoir non pas une distribution, c'est ce qui suppose un éparpillement, un certain nombre d'individus comme ça isolés, mais d'avoir immédiatement dans le travail à constituer le collectif, quoi. Bon. Et alors, du coup, alors il y a deux questions que je voulais te poser par rapport à ça. L'une d'entre elles, c'est est-ce que le fait d'avoir été directrice de CDN te donnait davantage de possibilités de production en relation avec cette idée de troupe quand tu retrouvant avant et après, comme directrice d'une compagnie, quoi. Est-ce que le CDN te donnait un peu plus la possibilité d'accomplir la troupe dans la réalité du travail théâtral? Non, parce que j'étais directrice d'un, je ne sais pas même si, en fait, quand on regarde les centres, les différents centres dramatiques, il n'y a pas la possibilité, personne, on n'a pas la possibilité de faire une troupe. Ce qu'Arrêté avait essayé à Reims, par exemple, les comédiens de la comédie, il avait essayé d'avoir une sorte de troupe quand même qui était là sur plusieurs années. Oui, c'est un peu une autre époque aussi. Ouais. Et non, aujourd'hui c'est difficile, mais même aujourd'hui, c'est qui dit troupe, dit groupe, dit nombre. Mmh. Et aujourd'hui, c'est quand d'avoir fait des châteaux qui brûlent avec 12 comédiens, c'est difficile aujourd'hui de faire un spectacle avec 12 comédiens. Alors, des spectacles comme Embouteillage avec 50 comédiens, enfin les aventures un peu particulières aussi à Bussan, il y avait aussi, je ne sais pas, il y avait plus de 20 personnes sur le plateau. On aura tout, il devait être aussi une cinquantaine à la veillée de l'humanité. Moi j'adore ça, j'adore la fête, alors j'adore quand il y a du monde et que plus on est, plus c'est la fête, quoi. Mais c'est aussi des spectacles dans lesquels ont participé des comédiens amateurs. Alors c'est important pour moi qu'il y ait des comédiens professionnels, parce qu'il faut être payé, faut vivre de ce métier, mais c'est... Alors, c'est vrai, mais c'est aussi un autre moment. Je me souvenais qu'il y a eu une année à Montluçon, j'ai mis en scène Don Juan, où il devait y avoir 14 comédiens, et la même année, un spectacle qui s'appelait Ça, qui était un spectacle sur le principe de la ronde de Schnitzler, avec sur un cercle de 70 mètres de diamètre à l'extérieur, enfin une espèce de bazar, où il y avait 16 comédiens. Je me dis, mais ça c'est difficile aujourd'hui, mais pour tout le monde, qu'on soit dans un centre dramatique ou pas. Bon, après, c'est des expériences, il faut avoir envie de les vivre. Là, Roméo et Juliette, au Maroc et en France, ils étaient 16 aussi, 8 comédiens marocains, 8 comédiens français, et voilà, on l'a fait, mais on se ruine. Non, mais voilà, mais et je sais pas quand si je suis à nouveau en centre dramatique, est-ce que j'aurai plus j'aurai pas plus les moyens, en fait. Il faut c'est vrai que commencer une aventure dans le théâtre à 22 ans avec 50 comédiens, ben, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé, ça s'appelait à l'époque, ça n'existe plus maintenant, un code et vie. J'ai vidé mon code et vie pour payer les comédiens qui étaient les comédiens professionnels, qui sur les 50 devaient être 25-30. J'ai pu aussi faire des spectacles comme ça parce que j'ai. Et ça, c'est le campagnol aussi qui m'a enseigné ça, et c'est aussi parce que je viens de cet endroit-là, c'est que j'ai travaillé beaucoup avec des comédiens amateurs. Et que au campagnol, c'était ça, avec une association qui s'appelait Une ville se raconte. J'ai,
j'ai pu moi-même profiter et tout de suite faire profiter, parce que je suis arrivée dans les ateliers du Campagnol et puis juste après on m'a donné les clés du théâtre pour moi-même donner des ateliers. Enfin, c'est vrai que le travail à Busson, il y avait sur l'ensemble des comédiens, il y avait 5 comédiens professionnels. C'est, ouais, c'est un type de travail particulier, c'est un investissement affectif aussi particulier. Puis on peut pas faire ça pour tous les spectacles. Puis il en est pas question. Mais c'est... Oui, à Busson, c'est le principe même de faire travailler ensemble les amateurs de la ville de Busson. Peut-être de la région, je ne sais pas, et les professionnels. Bah, tu peux revenir quand même là-dessus, sur ce Père Gunt au Théâtre du Peuple. Tu l'as un peu évoqué, là, mais si tu as envie d'en dire un petit peu plus sur la manière de travailler et de faire travailler ensemble des gens dans ce métier et d'autres qui sont des amateurs et qui doivent venir avec des niveaux aussi extrêmement différents, le rapport au théâtre. Différents, enfin, je sais pas comment ça se passe. Alors, il y a différents types, enfin il y a différents types de travail possible. C'est-à-dire, par exemple, dans Embouteillage, il y avait quelques amateurs. Alors ça, c'était un peu voilà, enfin c'était un peu le délire aussi, c'est que c'est un spectacle qui jouait dans plein de, on l'a joué énormément, on l'a joué dans le sud, on l'a joué dans l'est, on l'a joué en Allemagne, on l'a joué en Pologne, enfin. Et alors, mon délire, c'était aussi qu'il y ait des accents, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas dans une voiture, parce que, en fait, c'était un spectacle où il y avait des comédiens dans des voitures, les spectateurs, il y avait une grande marche à faire pour aller jusqu'à une grande marche ou un autocar, pour aller jusqu'à cet embouteillage qui avait vraiment pas lieu d'être sur une route vide. Enfin, il y avait tout un cahier des charges, il fallait monter une pente et puis après redescendre pour tomber sur l'embouteillage. Et dans chaque voiture, il y avait un comédien, 2, 3, 4, ce qui laissait la place à 1, 2, 3, 4, 5 spectateurs. Et il y avait donc des comédiens qui étaient des comédiens professionnels et des comédiens amateurs qui devaient avoir l'accent de Cavaillon. Et ça voulait dire qu'à chaque fois, il fallait aller travailler en amont avec des comédiens amateurs pour qu'on puisse trouver... Mais c'est allé assez loin, parce que, par exemple, en Pologne, voilà, il fallait plus que l'accent polonais. Là, c'était nécessaire qu'il y ait des comédiens français, parce que ce spectacle était... il fallait qu'il y ait le texte de Patrick Herman, joué par Olivier Dutillois, parce que c'est le partenaire officiel de la compagnie, qui soit en français. Mais il y avait des textes qui étaient traduits, joué par des comédiens polonais. Il y avait des textes qui étaient des commandes à des auteurs polonais. Donc ça voulait dire qu'en amont, il y avait des résidences d'écriture avec des auteurs. Après, il y avait un metteur en scène polonais qui prenait en charge, avec son cahier des charges, le spectacle pour diriger des auteurs, des comédiens de Pologne. Et puis alors là, ça avait été assez marrant, parce que ça s'était fait avec le Stary. Et donc, c'était donc un théâtre officiel important. Et dans la voiture dans laquelle entrait le spectateur sur son parcours, parce que le spectateur rentrait là où il voulait, d'un seul coup, il se retrouvait comme nous, à côté de Gérard Depardieu. Je ne veux pas dire Gérard Depardieu aujourd'hui, non. Je veux dire, il se retrouvait à côté de Isabelle Adjani, hein, qui ? Gérard Philippe, il était déjà mort. Enfin bon, ils avaient un choc, il y avait un choc, il y avait une expérience qui était... voilà, donc à chaque fois, c'était des expériences. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais juste oui, pour dire qu'il y avait le travail, par exemple, à Cavaillon ou à Sarrebruck. Ah oui, parce que Sarrebruck, c'était drôle aussi, parce que comme c'était à la frontière franco-allemande, on était en pleine forêt. C'était très très belle. Ça reste un souvenir magnifique, Sarrebruck, parce que on jouait dans une forêt et il y avait un embouteillage dans une forêt là où vraiment il n'y a pas de quoi avoir un embouteillage, et au milieu de nuées de lucioles. Ça, c'était vraiment incroyable. Et quand on jouait sur la frontière, qu'on passait à la frontière, les voitures se mettaient à parler allemand. Enfin, c'était des complications quand même pas possibles. Mais tout ça pour dire qu'il y avait aussi des comédiens de la région, et qu'à chaque fois, il y avait ce travail qui était un travail
qui est un travail en amont, évidemment, parce qu'on peut pas, on n'est pas comédien comme ça, on ne dit pas un texte comme ça. Donc, bon, là, c'était aussi des monologues. Donc, des fois, les monologues, il y a plus, c'est plus simple, finalement, pour un comédien amateur. Mais voilà, ça, c'était des spectacles où le comédien était, avait le premier rôle dans sa voiture et il jouait 40 représentations pour des spectateurs différents en ayant le premier rôle. Donc, c'était un certain type de travail. Busan, c'était autre chose. C'est que, voilà, Busan, quand on arrive à Busan, on sait que ça fait partie de l'histoire de Busan que de travailler avec des amateurs, l'histoire inscrite notamment par Romain Rolland, de travailler comme ça, de mêler des amateurs et des professionnels. Et là, ils vont se retrouver dans des scènes ensemble sur le plateau, amateurs et professionnels. Et alors, effectivement, il y a une... Être comédien, c'est quelque chose qui éventuellement s'apprend à l'école, mais j'ai envie de dire éventuellement, mais qui aussi s'apprend au contact. C'est une vie, quoi. C'est au contact du plateau, au contact des spectateurs. Enfin, et puis, c'est un choix. Moi j'ai toujours c'est important, il y a toujours des amateurs qui vont dire bah oui mais moi aussi je suis comédien, bien sûr t'es comédien, mais juste faire le choix d'être comédien, arrête de faire ton métier à côté, soit parce que c'est un métier difficile, c'est un métier d'investissement, c'est de choisir d'investir sa chair devant des spectateurs, d'investir tout ce qu'on a de plus intime, et puis de vivre ça avec c'est un métier, c'est difficile d'en vivre, donc voilà, ça c'est juste pour dire quand je me suis retrouvée dans, parce que très souvent on se retrouve dans ces moments-là avec des amateurs qui vont dire bah ouais moi aussi, je dis ok lâche tout et puis sois comédien et puis après on va voir. Mais à Busan, ce qui était intéressant, et ça aussi, c'est le choix aussi des professionnels magnifiques avec lesquels je travaille. Il y avait à Busan, il y avait donc Marc Jeancourt, Olivier Dutillois, Laure Wolf, Ulysse Dutillois, Edwin Azage-Derman, qui étaient les comédiens professionnels et qui étaient les comédiens qui allaient aussi... m'aider, emmener les amateurs. Et l'idée, c'est vraiment surtout d'emmener dans un état d'esprit, d'emmener dans une confiance de soi, dans un plaisir. Et voilà, ça c'est toutes les histoires, qu'on soit amateur, professionnel, c'est des histoires à vivre ensemble et à défendre fortement ensemble. Et c'est juste savoir être... manger côte à côte, enfin vivre cette vie où chaque instant est dédié au moment qu'on passera face au public pour défendre un texte, savoir voilà. Donc le travail, il est des fois assez un peu plus complexe, mais si les comédiens professionnels sont avec moi aussi, et ça on peut pas faire un projet sans qu'ils soient avec moi. C'est facile. Si on laisse de côté des expériences très particulières comme Embouteillage ou Théâtre du Peuple, on a vu là, enfin, on a compris à quel point, quand tu as choisi des châteaux qui brûlent, quand tu l'as monté, à quel point il y avait un accord entre ce que raconte le roman et le projet théâtral. Est-ce que tu pourrais dire que cette espèce d'horizon mental comme ça qu'est la troupe commande le choix des œuvres que tu as montées, des pièces ou des adaptations? Est-ce que ça va t'orienter davantage du côté de l'adaptation ou du côté d'œuvres dramatiques qui préexistent? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose là dans cet horizon mental qu'est la troupe qui oriente le choix du répertoire que tu montes? Ben en fait, je n'ai pas de troupe. Oui, mais justement, c'est idéal. Je suis tellement désolée. Mais moi, j'adore qu'on soit plein. Donc, évidemment, je vais... Mais je ne peux pas faire des spectacles
comme des châteaux qui brûlent tout le temps, parce que je peux pas, c'est impossible financièrement d'avoir 12 comédiens sur le plateau tout le temps, donc je sais que je dois alterner, mais alors qu'est-ce, même à deux, on peut peut-être être une troupe, même si je... mais je, enfin, c'est déjà ce qui va orienter mon choix, c'est le nerf de la guerre, quoi, c'est l'argent. Donc après, je me sens des responsabilités avec certains comédiens qui peuvent aussi très bien se débrouiller sans moi, mais j'ai envie de travailler avec eux parce que mon plaisir, il est aussi dans le travail. C'est une famille, quoi. Et c'est vrai que là... je suis en famille aussi parce que maintenant je me mets à travailler avec mes enfants aussi, donc ça devient vraiment la troupe et la famille, ça devient la même chose, quoi. Mais c'est il y a un tel bonheur de pouvoir se comprendre à mi-mot, quoi, de pouvoir et des comédiens, ils savent exactement, ils savent tout, quoi, ils savent exactement comment on va faire, où ça va aboutir, ce que j'ai envie. Ils savent me donner ce que j'ai. Donc, effectivement, à chaque fois, si je travaille un texte et puis que je sais qu'il n'y a pas de rôle pour eux, je suis moins heureuse. Mais ça se trouve parce qu'il y a des fois des commandes. Donc, je sais bien que je ne pourrais pas travailler avec eux. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que je pense aussi les textes et que s'il y a un texte dont j'ai envie et qu'il n'y a pas de rôle pour certains comédiens, je réfléchis à deux fois, ou si je le fais, je sais pourquoi je le fais, pour qu'il n'y ait pas de rôle à ce moment-là. Alors, pardon, mais comme le temps est compté... Ouais, puis je parle beaucoup, j'espère que je ne vous ennuie pas trop. Bon, comme le temps est compté, j'aimerais qu'on aborde une question qui est importante, qui est celle du travail, enfin du thème... du travail, alors qui est vraiment au cœur du roman Des châteaux qui brûlent d'Arnaud Bertina. Il y avait eu ce spectacle Entreprise avec ce triptyque, et tu dis quelque part, enfin Wolfgang le cite, à quel point c'est quelque chose qui t'importe, cette question du travail. Est-ce que tu peux dire un peu pourquoi et comment s'est constitué ce fil au cours de ton parcours? En fait, ça m'importe parce que c'est un vrai lieu de vie, quoi. C'est un lieu d'humanité qui se rencontre. C'est un lieu de, oui, où on a des combats, c'est un lieu de théâtre, hein. C'est un lieu dramatique. C'est un lieu où les rapports humains, enfin, c'est des êtres entre eux, généralement dans un lieu fermé. Enfin, on a tout, quoi, au niveau unité de temps, de lieu, d'action, enfin, on ne peut pas rêver mieux. C'était ça aussi qui m'a impressionnée dans le livre d'Arnaud Bertina, c'est que on est au théâtre, il y a un drame, il y a des êtres, ils sont tous dans une même situation, ils avancent, ils sont enfermés, c'est très facile à faire, du coup, il y a tout, quoi. Et le thème du travail, je pense que c'est une façon forte de s'inscrire politiquement, dans le rapport, oui, aux politiques, dans le théâtre. Et puis après, je pense que c'est lié à mon histoire intime et à mes origines, de gens qui ont défendu le travail à différents endroits, que ce soit en entreprise, en usine. Bon, alors peut-être une dernière question, peut-être. Le teaser nous montre une fête qui, en fait, c'est la fête qui termine le spectacle. Et Wolfgang, notez que on a quand même l'impression que les choses allaient mal se terminer après la séquestration d'un haut fonctionnaire dans cette usine. Et qu'est-ce que c'est que cette fête? Est-ce que c'est un déni de réalité, ça se termine par une fête, et j'aimerais que tu en dises quelques mots. Je crois que ça va résonner beaucoup avec ce que tu as déjà dit auparavant. En fait, c'est le roman d'Arnaud Bertina qui termine par une fête. Enfin, c'est cette folie de l'humain qui d'un seul coup sort tout dans la fête. Enfin, c'est vraiment le théâtre, quoi, une catharsis incroyable. Ça pouvait que finir comme ça,
et finalement finir mal. Enfin, après, quand on connaît Arnaud Bertinac, on entend son rire, on sait que ça va, on sait que ça va jaillir de cette façon-là, quoi. Et c'est un bonheur absolu quand on a, pour moi, d'avoir d'un seul coup à mettre en scène une fête. Et puis comme, par exemple, je suis tous mes spectacles, même si je ne suis pas sur le plateau, je suis à toutes les représentations, parce que en fait, il n'est pas vraiment question qu'on fasse la fête sans moi, quoi. Que le théâtre est une fête, bah voilà, quoi. C'est quand même, c'est une explosion. Et là, Arnaud écrit une explosion. Mais c'est parce que ces gens ne pouvaient s'en sortir que par l'être ensemble le plus fort qui soit, qui est dans la fête, parce que la fête devient souvent aussi un échange des corps. Et en même temps, c'est un signe fort envoyé au public, ce moment de fête. Oui, parce que c'est aussi, le public, il fait partie absolue, du théâtre, quoi. Quand à chaque fois qu'on joue, on joue pour le public, pour le spectateur, c'est un moment de partage ensemble. Donc, effectivement, quand d'un seul coup il y a une fête, c'est envoyé vers la salle pour que la salle réagisse. Et ça, c'est des beaux moments aussi quand on n'est pas au même endroit, mais on est ensemble. On est ensemble avec la salle. Et quand d'un seul coup on sent la salle qui se met aussi à vibrer sur la musique. D'ailleurs, c'est étonnant cette recherche aussi de l'ensemble avec le public, le spectateur et le public, la salle et la scène. C'est qu'il y a beaucoup de spectacles. Alors, ils y arrivent plus ou moins bien, mais qui créent aussi. Venez avec nous, venez danser sur scène. Enfin, on a vu beaucoup de spectacles qui étaient comme ça. Moi, c'est pas le passage de la scène à la salle, c'est pas quelque chose que je vais faire très volontiers. Parce qu'il y a des espaces, mais que ces espaces soient pour eux et que il y a une phrase qui m'importe. Ce sera la dernière. D'accord. Qui m'importe, c'est bien parce que j'aime bien lui rendre hommage. C'est une phrase de Bernard Dort qui dit « Il ne doit pas y avoir d'intimidation par le théâtre ». Et ça, c'est fondamental que la scène et la salle soient ensemble dans le bonheur du partage. Voilà. Bon, merci. Je crois que... Non, mais je crois pas. Merci.